Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce vendredi 16 septembre, j'ai pris le parti d'aller du côté de Pornichet ce sera une semi-nocturne en réunion 5. Il y aura bien entendu la première réunion, la réunion principale avec le Quintet Plus et The 5 principale, comme je l'ai dit. Euh, ce sera dans la troisième course du programme. Euh, moi, je me suis intéressé à la plus belle course du côté de Pornichet. Euh, le prix casino partouche de Pornichet, une course pour 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 200 000 euros avec un recul de 25 mètres à 99 000 euros. Il y aura 13 concurrents au départ, comme vous le voyez, 2725 mètres à, à parcourir, avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 8 Galacté 2 Chenu. Et dans cette course. J'ai retenu un seul cheval, ce sera un 7 ans, ce sera le numéro 10, hein. Finger des Boards, c'est un concurrent que j'adore, Finger des Boards, vous le voyez, il vient de se montrer fautif, il faut vraiment le reprendre en confiance, c'est vraiment un cheval de qualité, il adore cette piste, hein. vous le voyez, deuxième place en 1-12-3, imaginez, il rendait 25 mètres, 1-12-3 sur un parcours de longue haleine, il était certes déferré des postérieurs, mais il y a également une autre performance que vous allez voir où il était ferré. Voilà, c'était ici au Sable d'Olonne, une 14-5, euh, devant Fauve des Yolais, une 14-8. Donc, un cheval euh, qui est capable euh, de gagner euh, même lorsqu'il est euh, ferré. Donc, ça, ça ne m'inquiète pas, on fait appel à Jean-Philippe Monclin quand même euh, pour le driver. Il le découvre, euh, Jean-Philippe Monclin, mais c'est un cheval qui est quand même assez facile. Et j'ai regardé à chaque fois qu'il se montrait fautif derrière, soit il gagnait, euh, soit euh, il était deuxième. Donc, euh, voilà, un cheval qui en général euh, a pour habitude de se racheter euh, lorsqu'il commet une bêtise. Donc, ça aussi, ça me plaît tout particulièrement. Bon, 13 concurrents au, euh, au départ, il y en aura. Que 7 hein, au premier échelon, donc ça ne m'inquiète pas. Je pense que rendre 25 mètres, euh, ce ne sera pas euh, forcément si facile que ça, mais il en a les moyens. Et euh, je pense qu'avec l'aide de Jean-Philippe Monclin, euh, il a une toute première chance à défendre. Et c'est pour ça que je vous l'indique euh, en jeu simple ce vendredi. Donc voilà, chez notre partenaire TheTurf.fr, euh, je vous conseille donc le 410 Finger des Boards en réunion 5 à jouer, euh, comme à mon habitude, 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé en ce mercredi, c'était corde à droite. Euh, du côté, du côté, euh, du côté, c'était pas du Mont Saint-Michel, euh, c'était où cette piste corde à droite C'était à Vire, c'était à Vire, pardon, la 8ème course du programme, je vous indiquais euh, Faustine Ludoise. Euh, je pensais que c'était la meilleure cartouche euh, de euh, Stéphane Bourlier, ça a été le cas, malheureusement, il n'est que deuxième euh, Avec ses autres pensionnaires, il a terminé une fois 4 5 e et une fois 3 du coup, euh, de ces trois pensionnaires, c'est celui, celle en tout cas, qui a réalisé la meilleure performance. Elle est battue de peu, hein, d'une encolure, hein, face à un concurrent euh, drivé euh, par Franck Nimard. D'ailleurs, je crois que le concurrent qui bat Fossil Nudoise était un pensionnaire de Daniel Doré. Donc, du coup, euh, voilà un entraînement qui est en forme. Donc, du coup, Finger des Boards, ça me conforte un petit peu dans mon choix. Euh, en tout cas, Fossil Nudoise qui a rapporté 1,30€ placé. Vous allez voir mon pari. C'est vrai que j'ai joué 4€. J'en récupère 3,90€. Donc, bon. Euh, pas de bonne opération, mais en tout cas euh, ça rassure un petit peu, on reprend un petit peu euh, de baume au cœur parce que c'est vrai que les dernières fois c'était pas très bien au moins avec un cheval qui est deuxième, euh, on peut reprendre une bonne spirale et on va essayer de continuer là-dessus et d'enchaîner les bons résultats. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un Jour à Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site ou alors à nous contacter via cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un Jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.